C'est une première sur l'antenne de France Télévisions. Après l'engouement suscité depuis quelques années par le concours de l'Eurovision, le service public a décidé de retransmettre en direct la compétition pour savoir quel artiste représentera la France lors de cet événement annuel. Alors qu'Amir et Alma ont redoré le blason bleu-blanc-rouge lors de deux dernières années, le candidat de cette version 2018 devra éblouir le jury lors de son déplacement au Portugal. Pour départager les candidats, une seule solution, un concours de chant. Avec deux jurys, l'un international et l'autre franco-français, des chanteurs sont venus interpréter une reprise et le titre qu'ils ont composé pour chanter à l'Eurovision. Parmi les 9 candidats lors de cette demi-finale, seuls 4 ont le droit d'accéder à la finale. Si certains font figure de débutants, d'autres sont déjà bien connus du grand public. Parmi les 4 finalistes choisis par Amir, Christophe Willem, Isabelle Boulet, mais aussi Olga Salamaka, Biélorussie, Christé Béji, autre et Markman, Suède, et Nicolas Caligior, Italie, le jeune Lisandro Cuxi a décroché sa place en finale. Avec son titre Eva, en hommage à sa mère, le jeune vainqueur de The Voice a réussi à obtenir le plus grand nombre de points. Et ce n'est pas le seul candidat du télécrochet de TF1 à accéder à la prochaine étape. La jeune Emily Yannack, qui faisait partie de l'équipe de Zazie, décroche un billet pour la finale grâce à son titre Okuko. Malo, protégé de Jean-Louis Aubert d'à peine 23 ans, continue aussi l'aventure grâce à son interprétation magistrale de sa composition Ciao. Et le dernier à avoir été sélectionné par ce jury est éclectique et Luca. Kché est aidé dans la composition par Vita, maître Jimé Renaud Rebillot. Le playboy d'origine sicilienne réussit à convaincre avec son tube Mamma Mia. L'autre demi-finale qui verra s'affronter 9 autres talents sera diffusée le 27 janvier prochain.